Nous avons planté des fraisiers en pot il y a quelques semaines. Regardez, j'ai déjà une fraise en train de mûrir et de nombreuses fleurs. Donc la saison commence et nous allons voir comment cultiver les fraisiers en pot pour avoir une récolte généreuse et délicieuse. On plante généralement les fraisiers en automne ou au mois de mars. Durant l'hiver, on va les laisser tranquilles. On va les arroser très peu, voire pas du tout, s'il y a des gelées. Mais quand le printemps arrive et que les températures remontent, on inverse la tendance parce que les fraisiers aiment bien que le terreau reste humide. Je vous conseille de faire un bon arrosage une à deux fois par semaine suivant la température. De cette manière, vos fraisiers vont se développer harmonieusement, avoir une bonne croissance et une belle production de fruits. Je vous donne une petite astuce que vos fraisiers vont vraiment apprécier. N'hésitez pas à faire une couche de paillage à la surface du terreau avec une bonne couche de copeaux de bois or brun. Cela va éviter que l'eau d'arrosage ne s'évapore trop vite. Le terreau va rester humide plus longtemps et ça, les fraisiers vont apprécier. Comme la plupart des plantes potagères, les fraisiers sont gourmands. Pour produire de beaux fruits en abondance, ils ont besoin de nutriments. Pour cela, je les nourris avec l'engrais potager fruits et légumes or brun. Cet engrais organique en granulés est très facile à utiliser. L'application est très simple, je disperse les granulés au pied des plants, je griffe légèrement la terre et ensuite j'arrose. Les fraisiers apprécient une exposition ensoleillée. Un balcon orienté plein sud ou plein ouest est parfait pour voir mûrir de beaux fruits. Mais certaines variétés tolèrent une exposition semi-ombragée. C'est le cas par exemple de Marat des Bois, Charlotte, Reine des Vallées, qui peuvent s'accommoder d'un emplacement moins ensoleillé. Il ne vous reste plus qu'à profiter de votre récolte et une fois l'automne arrivé, laissez vos fraisiers entrer en repos. Vous verrez, ils perdront des feuilles mais ils repartiront de plus belle au printemps suivant. Souriez, vous jardinez.